nation. Obéissance, l'obéissance, 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 l'obéissance à l'agneau de Dieu. Il sera mon Seigneur, mon seul maître, à mon rédempteur, à mon rocher, à mon bien-aimé. L'obéissance, un seul sera Seigneur, un seul sera mon maître, un seul aura la main, un seul aura le pouvoir de façonner ma vie et ma destinée. L'obéissance, voilà. L'obéissance, 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 obéissance, obéissance, l'obéissance, 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 obéissance, l'obéissance à l'agneau de Dieu, l'obéissance à la parole faite de chair. Au Créateur, l'obéissance, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, à notre Dieu. Ce matin, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi, Jésus, je veux te dire ce matin merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Ah, tu m'as délivré de la folie des ténèbres. Tu m'as délivré de la séduction du tentateur. Et tu me délivres continuellement chaque jour. Je veux, je veux, je veux. Je veux chanter. Ah, je veux dire merci. Parce que tu envoies une parole qui libère. Tu envoies une parole qui sauve de la folie. Tu envoies une parole qui fait racheter le temps. Qui me permet de te donner la main. Afin que tu deviennes pas seulement mon sauveur. Mais que tu deviennes le Seigneur, le Maître, le bâtisseur de ma vie. Celui qui a autorité sur ma destinée, ma postérité. Ce matin, je suis heureux, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs qu'en toi. Je veux te donner le pouvoir de changer l'histoire de ma vie. Je veux être un exemple, je suis heureux. Je suis heureux. Fais de moi un exemple d'une vie mal commencée, mais qui peut bien finir lorsqu'elle donne le pouvoir au Saint-Esprit. Je veux te dire que je suis heureux. Tu m'as donné le nom de Christ sur la terre. Que dans tes bras. Ah, ne me laisse pas être ailleurs. Sois le seul sauveur et Seigneur de ma vie. Dans les bras du maître, dans les mains du potier, dans les mains du propriétaire, dans les mains du maître d'orchestre, dans les bras de l'architecte, dans les bras de la fondation, dans les bras de mon refuge. Dans les bras de mon abri, dans tes bras, être dans les bras de quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de te contrôler, de me serrer. Un seul serrera ma vie, un seul va m'éteindre, va étendre ses mains sur moi. Ton étreinte seul sera mon étreinte. Je veux demeurer dans tes bras. Tes bras, ça veut dire sous ton contrôle. Ça veut dire entre tes mains, dans tes bras. C'est là que je veux demeurer tout près, tout près, tout près. Tout près, tout près. Contre ton cœur. Tout près, tout près. Tout près de toi. Reposer.
posé entre tes mains. Entre ton cœur. Comme l'argile entre les mains du potier. C'est là que je veux demeurer. Entre ton cœur. Tout près, tout près. Dépendre de toi, te reconnaître sauveur, te reconnaître Seigneur, te reconnaître maître, maître d'orchestre, celui qui a la main sur ma vie, celui qui façonne l'argile que je suis. Fais-moi demeurer, fais-nous demeurer, tout près, dans tes bras, l'amour, ne me laisse pas être ailleurs que dans tes bras. Chakarara Maria Ramasaya, fais-nous demeurer tendre paix dans tes bras. Façonne-nous, bâtis-nous, enracine-nous dans tes bras. Console-nous, étends ta main, alors que nous nous recommandons à toi, alors que nous te donnons le pouvoir, alors que nous ne voulons plus perdre du temps, nous voulons racheter le temps, dans l'expectative excitée de voir comment tu rectifies les trajectoires, comment tu changes les vies mal commencées, mais tu les fais finir bien. Là où nous avons mal commencé, là où nous avons mal démarré notre vie, merci de ce que la suite sera glorieuse. Pourquoi? Parce que nous te donnons, nous avons accepté de te donner le pouvoir en marchant dans l'obéissance. L'obéissance à ta sainteté, l'obéissance à la parole, l'obéissance à ta voix, l'obéissance à l'autorité, l'obéissance à la vérité, l'obéissance dans tous les domaines. Merci de ce que nos vies changeront. Notre passé ne sera pas notre futur. Tu rendras cette œuvre que tu as commencée. Tu la rendras parfaite et tu montreras à quoi ressemble la vie d'une personne qui a décidé de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Merci. Nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire. Nous te remercions d'avoir accepté d'être notre Sauveur et notre Seigneur. D'avoir accepté de reprendre le pouvoir. Montre ce que tu es capable de faire. Merci. Le meilleur est à venir. Tu seras révélé. Tu seras glorifié. Tes projets se formeront. Tes paroles s'accompliront. Ta gloire sera constatée, certifiée, attestée. Cette lumière brillera. Ce sel impactera. Ces vases de terre, ces vies seront utiles à la gloire de ton nom. Merci. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Ce n'est pas trop tard pour toi. Ce n'est pas trop tard pour toi, mon frère. Ce n'est pas trop tard pour toi, ma soeur. Qu'importe comment tu vas commencer. Lorsque tu lui donnes la main, tu lui donnes le pouvoir. Il va montrer ce qu'il est capable de faire. Ne me dis pas je suis trop vieux. Ne me dis pas j'ai 70 ans. Si tu as 70 ans, il te reste encore plusieurs années. Il te fait racheter le temps pour écrire une histoire qui avait mal commencé. Mais ma Bible dit qu'on se souviendra de la fin de comment tu as commencé, la fin de ton parcours. On ne se rappellera pas de ta vie, de tes débuts. On ne se rappellera pas de ton parcours. On verra la fin et la fin donnera envie. La fin donnera envie de suivre Jésus. La fin donnera envie d'aimer Dieu. La fin donnera envie d'acclamer Dieu au sujet de ton passage sur la terre. La fin de ta vie donnera envie de dire simplement waouh. La fin causera l'étonnement. La fin causera l'émerveillement. La fin obligera la louange à Dieu. Honneur, louange et gloire au potier. Nous sommes l'argile. À celui qui façonne l'argile. À celui qui prend des gens qui n'étaient rien. Qui en fait des lumières qui éclairent le monde. Béni soit le nom du Seigneur. Il réécrit l'histoire de nos vies. Merci, Père. Merci. La parole que tu nous envoies
dans cette saison. Révèle, indique un travail de purification qui pour beaucoup d'entre nous n'a jamais eu lieu depuis longtemps. Mais merci. Parce que nous sommes d'accord, Père, pour reconnaître combien elle serait difficile pour la chair, douloureuse pour l'âme. Nous reconnaissons, nous avons besoin de vomir tous ces poisons, ces saletés que nous avons trop longtemps gardées. Parce qu'il faut que Christ soit révélé. Il faut qu'une version de nous jamais vue soit visible. Elle ne peut pas se faire dans la cohabitation. Le vieux vin et le vin nouveau, non. Non, on ne peut pas mettre. On ne peut pas combiner les deux. Merci de purifier ton peuple, de purifier l'Église. Merci parce que tu nous prépares pour le déversement d'une nouvelle dose d'intensité, d'un feu qui n'avait été jamais constaté. Oh, béni sois-tu, nous reconnaissons, nous avons besoin de toi. Accorde-nous désormais la grâce de racheter le temps, de ne plus perdre du temps dans la désobéissance. Mais maintenant, oubliant ce qui est en arrière, comme Paul, de courir vers l'avant, sur le chemin de la consécration, sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la communication, la communion avec le Saint-Esprit, sur le chemin de la coopération avec toi, pour la manifestation de tes projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Merci. Ta miséricorde parlera dans nos vies. Tes compassions et tes bontés parleront dans nos vies. Honneur, louange et gloire à toi. Cette fois le juste tombe et tu le relèves. À toi qui as compassion de nous. Tu envoyas ta parole. Tu les fis échapper de la force. La parole que tu envoies révèle ta bonté. La parole que tu envoies démontre ton amour. La parole indique tes intentions de libérer, tes intentions de faire le ménage, tes intentions de prendre la place, tes intentions de réécrire l'histoire de nos vies. Merci pour ta parole. La parole de libération. La parole de guérison. Amen. Oh, la parole de restauration. Amen. Merci pour ta miséricorde. Amen. Elle durera toujours pour nous. Amen. Merci pour ta sainte présence. Amen. Inspire ce moment. Amen. Sur le chemin de ta volonté, conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous t'honorons. Seigneur, nous reconnaissons. Un jour de plus, un dimanche de plus, une semaine de plus, ne sont jamais des acquis ou des droits, non. Merci pour la grâce de t'appartenir. La grâce d'être sur la terre, pas pour occuper la terre inutilement, mais la grâce d'être sur la terre pour écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu, pour être utile, pour être tes instruments, pour être ta lumière, pour être ton sel, pour te rendre visible et pour laisser une empreinte. L'empreinte du passage de Jésus-Christ sur la terre, dans mon époque. Honneur, louange et gloire à celui qui fait cette œuvre, à celui qui rend nos vies utiles pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous te louons, nous t'honorons. Amen.